so hardcore. Maybe black, but we're not poor. I've experienced that luck before. Let's make a change and slam those doors. We need a taste of victory. Leave aside all the hypocrisy. Been fighting for too long. Ooh-wee-wee. Let's make a change and let's be free. Hold your head up, don't let anyone tell you you ain't strong. Enough mistreatments and judgments based on the color. If you feel me, just sing with me all along. I'm not meaningless and hopeless, I'm black and there ain't no stress. I'm black and there ain't no stress. No, baby, there ain't no stress. I'm black and there ain't no stress. Well, 'cause when I walk in the street, baby, don't turn. Ooh, ooh, ooh. It makes the fire in me burn. Ooh, ooh, ooh. Until the point of no return. Ooh, ooh, ooh. This is a lesson for you to learn. Just like everyone else. Something mama knows is a little bit different. Can't help it, no. Now you know, crawl back like a serpent. Hold your head up, don't let anyone tell you you ain't strong. Enough mistreatments and judgments based on the color. If you feel me, just sing with me all along. I'm not meaningless and hopeless, I'm black. And there ain't no stress. Sing all along, sing all along. There ain't no stress. Sing all along, sing all along. There ain't no stress. Oh oh, sing all along, sing all along. There ain't no stress. Hey 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 hey. Okay, duet. You see, some people think 'cause you're black, you're just different, and that's wrong. Wrong. Okay. It doesn't matter the color of your skin or what religion you've chosen, we're all the same. So if you feel me, say yeah. Yeah. Okay. So if you feel me, say yeah. Yeah, yeah, yeah. Uh-huh. So if you feel me, say yeah. Yeah. Whoa. So if you feel me, say I'm black. That's right, and it's not a shame, just a matter of fact. Hold your head up, don't let anyone tell you you ain't strong. Enough mistreatments and judgments based on the color. If you feel me, just sing with me all along. I'm not meaningless and hopeless, I'm black and there ain't no stress. Hey, 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 hey. There ain't no stress. Hey, 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 hey. There ain't no stress. T'es un chanteur en fait. Ouais, t'es un ouais, chanteur ça... aussi. Ah, t'es chanteur en fait. Je suis back. J'étais pas sûr. Il fait plein de choses, tu vois. C'est ça qui est bien. C'est un peu. Enfin, chanteur professionnel, chanteur c'était folie, hein, sur le net. Hein. C'était la folie. Ouais, ouais, justement, Laurine s'en est sur internet. T'as pas de micro. Elle a pas de micro. On entend la folie sur le chat aussi. Franchement, ils arrêtent pas de dire qu'ils adorent ta voix, qu'ils veulent un album. Ils sont sur le cul. 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 Carrément sur le cul. Donc, franchement, c'était top. Ils applaudissent en même temps que nous. Merci. Nickel. Merci, c'est gentil. Et merci à je voulais remercier tous les gens qui sont là, qui sont venus pour moi, donc les Corée, Julia, Julia, futur album, elle a un album qui arrive. Victor aussi qui travaille avec moi, qui est là-bas. Du côté Victor aussi. Victor, il est là. Voilà. Bon, Victor. Voilà. Nickel, merci Victor. Donc voilà. Voilà, bon, bah, un bon moment quoi, qu'on vient de passer. Ouais, c'est merci à vous en tout cas de m'avoir. Mais tu sais que Laurine est complètement fan de toi. Ah bon? Comment ça? Salut Laurine. Je suis célibataire. Non, c'est pas ça. Je suis fan de Zach depuis que je l'ai découvert à Popstar en fait, ah, et je voulais que ce soit lui qui gagne.
Voilà, mais je t'ai mais c'est Sherifa qui était meilleure que moi. Non, elle était pas meilleure. Ah bah, t'es gentil, on la reçoit la semaine prochaine, non, je rigole. On lui dira. En tout cas, je te kiffe depuis le début. Quoi. Merci en tout cas, Laurine, ça fait vraiment plaisir. Ah. Merci à tous. Alors c'est vrai qu'on t'a plus connu du coup du fait de ton aventure popstar. Ouais. Du coup dans le champ, ouais. Qu'est-ce que tu as comme recul par rapport à cette émission, par rapport à ta carrière maintenant? Comment tu vois le chant maintenant? Mais écoute, en fait, avant Popstar, j'avais jamais réellement chanté. Je faisais des choses avec ma mère, beaucoup, parce que ma mère chante aussi. Donc, je crois qu'elle me regarde. Bonjour maman. Maman de Zach. Bonjour maman Zach. J'appelle Mom. Mom. Salut Mom. Et oui, donc en fait, l'aventure Popstar en fait, m'a donné... le fait de ne pas avoir gagné, en fait, ça m'a vraiment montré que j'avais envie de chanter. Et ça, c'est important parce que je savais que j'aimais ça, mais là, maintenant, je vais vraiment faire mon métier. Avant ça, tu chantais déjà? T'as commencé comment? Je chantonnais quoi. Chantonnais avec ma mère, comme je te disais. C'était un feeling qu'on avait. Et alors la question que je me pose là, maintenant qu'on vient d'entendre ta chanson, est-ce qu'on peut la télécharger quelque part? Est-ce qu'on peut l'acheter ou... Alors je suis un garçon très difficile parce que je n'aime pas... j'ai pas envie de sortir mes titres avant d'avoir un album physique. D'accord. Donc j'ai fait quelques petits lives sur YouTube, il y a des petites choses que j'ai faites. Mais vous pourrez de toute façon tous retrouver le live bien sûr sur notre Facebook. Dès minuit, vous pourrez revoir ce que t'as fait là. Ouais, oui, parce que c'est enregistré. Ouais, cool. Bon, ça t'a plu ce que t'as fait là? Ouais, non, mais c'était bon. Je déteste ce que je fais. C'est trop nul. J'ai merdé. Non, c'était rien. Mais du coup, dans ta chanson, tu apportes beaucoup de thèmes et tu dis qu'en gros, être noir, c'est pas une fin en soi, etc. T'as souffert de ça, même dans ton métier d'artiste? Alors en fait, j'ai pas souffert parce que c'est pas le. C'est un peu gros comme mot, mais c'est vrai qu'on le voit souvent, le fait d'être black dans une société où les gens sont majoritairement caucasiens, ben c'est on te regarde un peu pas comme la bête noire, c'est pas le mot, mais comme si t'étais différent, alors que c'est pas vrai en fait, on est tous pareils, sauf que ben, le monde a fait que ben, aujourd'hui on est en France et enfin, voilà, donc il n'y a pas de différence et c'est vrai que les gens des fois le font ressentir. Mais ouais. ça me touche pas, c'est pour ça que je le chante. Parce que... En tout cas, tu chantes avec beaucoup de soul ou d'âme, en tout cas. Merci. Et je voulais savoir d'où venait cette inspiration, comment tu... Parce que tu dégages beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamisme, je pense qu'on est tous d'accord sur ça, beaucoup non. d'âme. Si. Et on est qui pour la merde. Il est fade. Non, mais il est là pour faire un amateur, amateur. Tu bosses chez Ruquier. Même moi, je fais mieux. Donc je vais savoir d'où ça venait en fait, tout ça, de cette inspiration. Je sais pas en fait, tu sais, j'écoute beaucoup de musique. Moi, je crois que l'artiste dont je suis plus fan, alors c'est cliché mais c'est Beyoncé, parce que tu en mets très très d'accord. Bien, attends vas-y. Monte le son. Donc là t'en peux plus normalement. Et là moi il y a Laurine qui fait un freestyle. Voilà. Mais Laurine est musique aussi. Allez, dansez ensemble. Vas-y Laurine. Hey. Encourage Laurine, du boule pour Laurine. Elle danse pas comme ça, Beyoncé. On est jury. Je préfère Beyoncé quand même. Hein. Oui, c'est un peu mieux.